Bonjour tout le monde, on se retrouve en première vidéo sur The Last of Us. Et il est temps d'avancer, hein, comme on avait dit, de toute façon, on avait passé cette porte dans le prochain épisode. Parce que je sais pas du tout ce qu'elle me réserve et vous le sentez pas. Bon, de toute façon, on y va. Et j'avais raison. Encore des chances. Bah, des chances, non. Non, c'est pas vraiment des chances. Ah, je connais pas cette espèce. Ouais. Ni des lucioles. Bah, peut-être qu'à force de chercher, ils se sont transformés en singes. Bon. Continue de chercher, on trouvera bien quelque chose. C'est plus si. Non, c'est pas des singes. En même temps, il y a une grande variété. Là, d'espèces. Et puis, je connais pas tout, hein. Ouh, tiens, une note. Bah, écoutez. Et voilà. Quatre palettes de matériel sont emballées et prêtes à partir. Reste à savoir ce qu'on va faire de vous, les gars. Ils veulent qu'on euthanasie le groupe infecté. Mais vous savez quoi? Qu'ils aillent au diable. C'est vous qui avez fait le plus gros sacrifice dans tout ça. Si quelqu'un mérite de retrouver la liberté, c'est... Hé hey, tout doux. Ah, merde. Oh non. Il m'a mordu. Oh, c'est... Attends, j'espère pas qu'il parle des singes. Heureusement qu'on n'a pas eu affaire aux singes. Il dit pas où ils sont allés. Je sais, cherchons encore. Oh, c'est-à-dire qu'ils ont... Ah, ils sont pas transformés en zombies, mais ils sont porteurs, c'est-à-dire... Ah bah oui. Ouh, ok. Il va falloir faire attention à pas les énerver. J'ai pas envie de me faire croquer. Pas chance. Et ça c'est parfait, je prends. Oui, je continue de raser tout ce qui est lootable. Regardez. C'est bon ça. Là je peux vraiment pas récupérer plus par contre. Bon. Il va falloir forcer un petit peu le passage. Ouh, c'était lui le chercheur, tiens. Ouh, il y a des grandes chances. Tu m'es quasiment sûr. Si vous cherchez les lucioles, ils sont tous partis. Non, sans blague. Je suis mort. Ou je le serai bientôt. Ça m'a laissé le temps de réfléchir. Certaines années, on croyait tenir quelque chose. Cette entreprise n'était qu'une monstrueuse perte de... Je n'ai plus envie de continuer. Allez. Pour les autres. Retournez à l'hôpital Sainte-Marie, à Salt Lake City. C'est là que vous les trouverez, en train d'essayer de sauver le monde. Bonne chance. Est-ce que tu sais où c'est? Ouais, je connais la ville. C'est loin? C'est pas tout près, enfin, à cheval. Quoi? Les lucioles? Baisse-toi! Encore des enflures. Ça m'avait manqué. Mais c'est qui ces types? Peu importe, on sait où aller. Et puis je me dis, on va en éclater un ou deux. Ça va défouler, hein, après une journée de travail. Faire quoi? Sortir d'ici? Ok. Ouh. Ouh. Dans le dos. Tiens. Ouh. Et hop. Toi tu suis. Petit. Viens voir Joël. Ouh. Hop, ouh. Il a de la chance. Hop. Le crâne. Ouh, il a de la chance encore lui.
Ouh. Sur ta droite. Ouh. Hop. Ouh. Ouh. Ça commence à faire mal. Ah, il a de la chance. Fait, il peut me couvrir. Ok. Bon. Bon, en vrai, on est, c'est peut-être l'heure de tester le lance-flamme. Ça brûle. Ça brûle. Un barbecue, ça vous dit les gars. Sauf que c'est vous qui vous êtes... Ah, c'est mon rouille. Qui est au menu. Lui, il est cuit à point. Ah. Ce défouloir. Bon, c'est peut-être pas le plus efficace pour se défendre. Mais ça a l'honneur de plutôt bien marcher. À courte portée. Comment on passe son fusil? Ouh. Bouk. Voilà. Un petit coup. Ouh. Il a tenté quoi? Ça marche plutôt bien. Ok. Bon, ça en utilise pas mal. Mais, bon, je vais pas dire que c'est rigolo. C'est rigolo. Voilà. Pas mal. Ouh. Ok. Bon, en même temps, je le sentais venir parce que une porte bien fermée comme ça. Ça sentait dans le tourloupe. Oh la vache. Il y en a d'autres qui arrivent. Ouh. Ok. Il va falloir que tu me tires. Ok. Allez, t'es prêt? 1, 2, 3. Ouh. Sur ce putain de cheval. Oh. Prends là, j'ai droit à munitions infinies. Oh, super. Je vois personne. Allons-y. Ouais, bah là, moi, ça va être un peu compliqué, je crois. Tu vas bien? Ça va. Ça va. Tu gères la fenêtre? Ouais. Ça, par exemple, c'est un passage que je ne me rappelais plus du tout. Sauf peut-être un bout de l'escalier bon, du dernier épisode. Bon, reste ici. Je vais coincer ce connard. Allez. Merde. C'est mes potes que t'as descendu, enfoiré. T'as envie de jouer au plus malin? Voilà. Hop, parfait. Putain. Il faut qu'on te fasse sortir. Je vais bien. Tu vas pas bien, Joël.
Allez, viens! Dépêche-toi! Ah, oula! Suzukena va peut-être pas pouvoir l'exploiter! Quoique. Petit zoom. Dépêche! Parce que, ouais, quand je prends un screen du jeu, bah, en fait, ça prend un screen de l'écran et donc. Tu t'en sors bien. Ça prend en compte aussi le pop-up de Steam. Vers les doubles portes. Oh non. Tiens-toi à moi. Non. Tu peux marcher? Oui. Alors marche, merde. Mais c'est ce que je fais. Je marche. Ça rappelle que j'ai pris une barre dans les entrailles. Donc c'est pas un moment de jouissance, mais te ferai dire. Voilà ma sortie. Encore un peu, allez. Hey. Hey. Joël. Derrière toi. Quoi? Elle est... La gamine est armée. Faites pas. Merde. Merde. Petite ordure. Joël, allez, lève-toi. Mets ton bras sur moi. Allez, on y va. En face, hein. Allez. Je te jure, si jamais je te sors de là, tu me devras une chanson. Tu aurais. Reste là. Je vais ouvrir. Allez. Ah, attends, attends, je dégouline. Et voilà. Allez. Tu peux monter? Allez. Ouais, bon, j'espère qu'on va quand même s'en remettre. Ouh, tiens, il commence à neiger. Je crois que c'est bon. Joël? Joël! Merde! Joël! Attends. Lève-toi, lève-toi, lève-toi! Dis-moi quoi faire! Allez, tu dois te relever! Joël! Ouais, je sais que peut-être vous, ça vous saoule, mais... Mais c'est vrai que je pense pas à essayer de désactiver pop-up, hein? Mais bon, vous vous doutez du coup dans cette session, quand on se prend plein de screenshots comme ça, forcément on va utiliser un des screenshots, ou les trois, avec l'ABC testing. Bon, au bout d'un certain temps, il en restera plus qu'une sur les trois. Sans regarder, mais voilà. Efficace! J'ai envie de dire. Mais surtout rapide. Ça durera pas très longtemps. Tu lui ferais peur. Comment ça? Mais Ellie? Non, justement. Non, parce que beaucoup d'animaux ont peur de l'homme, mais n'ont pas. Bah, quand ils ont l'odeur d'homme qui est cachée par exemple par un cheval, souvent c'est caché. Et donc il nous sent moins, et donc il se méfie moins. C'est même contre-productif. Que tu dis, Ellie. Oh. Mais bon. Et par contre, c'est aussi la première fois qu'on incarne Ellie, du coup, maintenant. Ouh. Oh. Quoi? Oh, j'étais presque.
pensais même l'avoir touché. Toi, plus très loin. Ah si, on l'a quand même touché. On l'a pas raté. Ouf. Ah, là oui. Je suis d'accord, je l'ai raté. Mais j'ai quand même réussi à le toucher. Ouh, c'est pas là parce que j'arrive à suivre du coup les traces. Pas mal. Pas mal du tout. Ok, il a l'air d'être encore un petit peu loin. Ouh. Ok. De m'approcher discrètement. Oh, j'étais. Hey. Aussi, Ellie, elle tremble trop. C'est compliqué. Oh mais encore! Putain! À chaque fois, je tire pas assez. Tiens, et que j'ai réussi à avoir du premier coup. Enfin, et t'es là-dessus? Wow, c'était de la chance. Non! Ah! Proche. Ouh, là c'est pas mal. Voilà. Comment ça, ou? Je suis en train de le toucher. Pas abusé. Oh! Enflure de rocher. Enflure. Enflure de rocher, regardez-moi ça. Il bat de la du rocher. Oh! Sérieux? Ça, c'était vraiment inattendu. Bon, par contre, je récupère la flèche, mais je crois que... De toute façon, j'en ai infini. Piré! Là, sur ce coup, je m'y attendais pas. Elle est où, le cerf? Petit, 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 petit... J'arrive. Bah. Perdu de vue. Oui, parce que là, il est plus très frais. Là, oui. Ah, par là. Ok. Il a décidé d'aller ailleurs. Ah. Allez, non, mais viens. Et je sais que c'est...
Ça sent pas bon. C'est quoi cet endroit? Ok. Allez, on va. Alors. Ah, quand même! Qui est là? Montrez-vous! Salut. On veut juste parler. Un geste brusque et je vous en plante une entre les deux yeux. Pareil pour votre petit copain. Qu'est-ce que vous voulez? Je m'appelle David. Et lui, c'est mon ami, James. On fait partie d'un groupe. Des femmes, des enfants. On a tous très très faim. Moi aussi. Il y a des femmes et des enfants, et on a tous très faim. Eh bien, on pourrait peut-être t'échanger un peu de cette viande. Qu'est-ce qu'il te faut? On a des armes, des munitions, des vêtements... Des médicaments. Vous avez des antibiotiques? Bien sûr. À notre camp. Si tu veux nous suivre... Je vous suivrai nulle part. Il peut aller les chercher. S'il revient avec ce que je veux, le cerf est à vous. Si quelqu'un d'autre se pointe... Tu m'en plantes une entre les deux yeux. C'est ça. Deux flacons de pénicilline et une seringue. Dépêche-toi. Allez, vas-y. Je vais prendre ce fusil. Bien sûr. Reculez. Ça risque d'être long. Ça t'embêterait qu'on s'abrite du froid? Prenez-le avec vous. Voilà. Tu sais, tu devrais pas rester toute seule comme ça. J'aime pas la compagnie. Je vois. Mais comment tu t'appelles ? Pourquoi ? Écoute, je sais que c'est pas facile de faire confiance à des étrangers. Cette personne blessée, elle compte beaucoup pour toi. Je suis sûr qu'elle va s'en sortir. On verra. Ah, des claqueurs ! Une autre arme? Désolé. Bah après. J'aimerais bien récupérer. Il y avait non, pas demandé. J'espère que tu sais t'en servir. Après, il y avait pas demandé ces armes. On doit absolument les empêcher d'entrer. Espérons qu'ils ne le trouvent pas. Défends les fenêtres. Ok. Ah! Ah! Ouh! Oh! Ouh! Hop, un de moi! Hop! Hop! Allez hop! Je vais te récupérer! Ne te présentez pas! T'es bien plus doué que moi avec ce truc! Donne-moi un coup de main! Oui! Allez! Allez, allez! Va réduire les entrées. Allez, allez! Ouh! Ok. Ne laisse pas rentrer par les fenêtres.
Il y a d'autres infectés de ce côté. Ils sont un paquet. Ils ont dû suivre. C'est peut-être vous. Peu importe. On est coincés ici ensemble. Hop. Voilà. Hop. Ouais, continue comme ça. Hop. Tiens, voilà du mien. Ok. Ouh, le claqueur est le plus important. Ouh. Aïe 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 aïe. Non 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 non. Ouh. Ok. Non non non. Non, pire. Bon bah c'est fini. Ok. Voilà. Oh Seigneur, il y en a plein qui nous arrivent dessus. Je les vois. Hop. Oh purée. Ouh. Ouh. Ok. Ok. Ouh. Aïe. Waouh. Oh, une course, hein. Non, 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 Ellie. Non. Oh, purée. Mais aussi, Ellie. Oh. Elle préfère ouvrir le placard que de récupérer des munitions pour survivre. Yep. Bon, si tu préfères, ouvre maintenant. Oh, Seigneur, y en a plein qui nous arrivent dessus. Ok. Ouais, je les vois. Ok. Ouh. Et hop. Ouh. Ah non. Ah. Ok. Ah. Ok. Hop. Claqueur moins. Hop. Où ça? Papa? Tant pis. On doit quitter cette pièce. Ok, petite. Ok, ouh, allez, on y va. Ouh. Vas-y, je vais les retenir. Surveille l'escalier. Hop. Ok. Je vais me soigner. Ok. Allez, allez, allez. Ok. Vous savez où vous allez ? J'ai jamais mis les pieds ici. Ah. Super. La voie est libre. Par ici. Je suis là. Ouh. Qu'est-ce que ça devrait le faire ? Tiens le coup. Ah, je tiendrais mieux le coup si tu me redonnais des munes. Ok. T'éloigne pas. Et fais attention. Attends, tu vas trop vite. Hé, hey, petite, ça va bien? Ça va. Des claqueurs. Sors de là. Problème que j'ai actuellement, c'est que je n'ai pas de mine. Seul inconvénient. Il faut que j'arrive à sortir de là et à le rejoindre. Non, ça marche pas. Ouh.
Hop, vite remonter. Ok. Voilà, vite. Allez, 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 allez. Quand oh. Vous êtes là. Allez, la porte est par là. Ah, putain, j'aime pas les claqueurs, hein. Oui. Oui, je sais. Vas-y. Ah, quand même. Non, il n'y a pas de solution. Parce que moi, je vois des endroits où je peux monter. Quoique. Là ? Hey, venez, soulevez-moi. Ok, prête. Mm-hmm. Allez. On va se dépêcher. Fais attention aux infectés. Je sais. Que... Ça a l'air d'aller. Ouh. D'accord. Ah, j'aime pas ça. Éviter que je retombe par contre. Ouh. Ah purée. Bon, il faut juste semer un peu le claqueur. Ça devrait le faire. Tiens. C'est bon. Allez, go! Allez, 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 allez! Vite! Ok! Et voilà! Bon, j'entends plus le claqueur. Ouh! Allez! J'espère qu'il va pas tomber. C'est bon, ça va. Il faut qu'on sorte d'ici. Non, sans blague. Oh, putain, il y a du monde. Wouah. Pendant 10 minutes pour mon arbre, ça, c'est bien. Ok. T'en profites et du loot. Voilà. Oh parfait. Merde. On dirait que les derniers à les avoir affrontés ont perdu. Oh non. Je cherchais justement ces personnes. Ah. Peu importe. Récupère leurs armes. Bon. Je vais chercher une sortie. Ah, c'est un peu tard pour me le dire puisque je l'ai fait avant même que tu m'autorises. S'y retrouvait dans ce bâtiment. Qu'est-ce qu'on fait du coup? On les repousse. On n'a pas d'autre choix. Mourir. Je... Prépare-toi. Ouais. Oh putain, ça arrive. Ok. Ouh. Ok. Voilà. Ouh. Comment ça, il veut pas crever? Sur le toit. Je sais.
Non. Non. Ah. Ouh. J'aime pas ces bruits. Oh. Hop. 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 Ok. On s'en sortira, petite. Pour le moment, on s'en sort. Reste concentré, ça va aller. Il y en a encore. Ils arrivent. Ils sont combien au juste? J'en ai aucune idée. Allez, t'arrêtes pas. Hop. Un autre en moins. Hop. En moins. Hop. Vite. Ok. Moi, un autre claqueur. Mince. Il y a l'air d'avoir moins de bruit. Hop. Ouh. Putain. Oh non. Hop. 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 Bah là j'ai plus de mune. Oh, j'ai pas. Oh purée. Hop. Pas de mune. Hop. Allez. Non. Ah. Oh purée, c'est le colosse. Eh, ça m'énerve. Voilà. Ouais. J'ai plus de mine. J'ai pas d'alternative, moi. Ok. Ah! Ça m'a plus. Oh, d'accord. C'est vrai que j'ai pas pensé à prendre un moment donné pour craft. Ok. Hop. J'ai l'air de s'en sortir. Ok. Hop. Hop. Ouh. Ah, rien. Hop. 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 Et voilà. Il est mort. Cette fois j'ai été efficace. Et ben ça a mis 2 secondes. Ouais. Plus rien. Ah oui. Ok. Allez, allez, allez. Ouh. Bouton. Oh purée. Je vais voir le pont. Et par contre du coup on a évité le spawn des autres zombies. Oh, encore des mines. Écoute. Pas d'infecté. Pas d'infecté.
Qu'est-ce que je disais? Ok. On y retourne. Allons voir notre serre. Tu t'en es plutôt bien sorti tout à l'heure. Je crois qu'on fait une bonne équipe. On a eu de la chance. De la chance? Non, non. Je crois pas à la chance. Non, tu vois, je pense que tout arrive pour une bonne raison. C'est ça. C'est vrai. Et je peux te le prouver. Tu vois, cet hiver était particulièrement rude. Il y a quelques semaines, j'ai envoyé un groupe d'hommes chercher de la nourriture aux abords de la ville. Très peu sont revenus. Ils ont dit que les autres avaient été tués par un cinglé. Et figure-toi que ce cinglé était accompagné d'une petite fille. Tu vois, tout arrive pour une raison. Allez, te fâche pas. C'est pas ta faute. T'es qu'une enfant. James, baisse ton arme. Pas question, David. Je vais pas la laisser faire. Baisse ton arme. Donne-lui le médicament. Ça va pas plaire aux autres. Bah, ça ne te regarde pas. Alors, Ellie, il faudrait quand même vérifier. Non ? Tu survivras pas longtemps dehors. Je peux te protéger. Non, merci. Joël ? Oh. J'ai pas trouvé grand-chose à manger. Par contre, j'ai trouvé ça. Lève ton bras. Et voilà. Désolée. C'est bon. C'est fini. Tu vas t'en sortir. D'ailleurs, ça vient me faire penser, il faut se penser que quand on fera le 2, à réussir à accéder à la fin secrète qui existe. Mais bon, ça vous ferait un avis dans... Bah déjà quand le 2 sortira sur PC, donc... Si ça met du temps, non, peut-être plus d'un an. Ou moins, ça dépend. Je vais les éloigner d'ici. Je reviendrai après. Ah mais bon, bah oui.
Il a préféré revenir, c'était assez risqué péril. Ok. Avance. Ok. Ok. Ah oh. Dégage-toi. Ah mais ils sont nombreux en plus. C'est ça le pire. Ok. Ouh. Ok. Venez me chercher, bande d'enfoirés. Ouh. Ah. C'est bon. Vite. Nous. Vite, 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 vite. Hop. Ok. Ok. Fouille un peu. Ok. On trouve des... De quoi? Bah des armes, des trucs. De quoi me défendre. Un petit peu plus. Ok. Y'a ça. Ok, on prend. David la voulait vivante. C'est pas à lui d'en décider. James m'a dit que c'était la fille de l'université. Combien de nos hommes ont été tués là-bas? Merde. Je savais pas que c'était elle. David va aller se faire foutre. Je prends pas de risque avec elle. Je veux juste en finir et rentrer. Je me gèle les couilles. Hop. Oh merde. Book. Hop. Voilà. Ouh. J'allais dire, c'était sanglant. Ah. Ah. Ah, trop tard. Ah. Tiens. En plus, il y a une arme derrière à récupérer. Ah, trop tard. Ah. Ah, le truc compliqué, c'est compliqué de s'arrêter ici. Ok. Faire double cocktail. Pas mal. Ok, démune. Ah! Plus de mun! Ok! Hop! Nouvelle arme! Ouh! Ok! Hop! Hop! Toi aussi! Où est-ce qu'ils sont?
Ok, du soin. Non. Pas l'air d'y avoir grand chose, hein. Là, il y a peut-être du loup, peut-être des trucs intéressants, je sais quoi. Ah, c'est tout défoncé ici. Sentier de découverte. Bon. Alors. On y va. C'est parti. Surtout, tombe pas à l'eau. Tombe pas. Je sens qu'il y a quand même de l'ambiance. Je sais même pas. Non, il faut peut-être pas m'arrêter tout de suite. Enfin, on va peut-être continuer encore un petit peu. On verra. Okay. Ah, attendez, il y a peut-être un truc par contre ici. Mais t'es content, Tilly? Bon, contente. Une circonstance. Mais bon, je pense que nous, on va se laisser là, en fin de compte, hein. Ça me semble pas mal. S'arrêter ici, puis on va aller du coup là. Bon, je pense que si je relance le jeu, ça va peut-être me faire revenir un petit peu en arrière. Mais bon, je reviendrai ici. J'ai enregistré de mémoire où c'est. Un endroit calme avec une belle vue. Bon, bref, en tout cas, voilà. Dans le prochain épisode, on va peut-être pas faire le tour, mais on va voir ce qui va se passer. Mais là, je sens qu'on va réinventer l'action. Bon, allez, sur ce. À bientôt tout le monde.